It's lit. Just take a look at the drip. You boys don't get fly than this. Roll a dope, yeah, I'm high as a bitch. Wait, it's lit. Get that little bitch a little tip. Now she wanna suck on the dick. She wanna catch all of the drip. Pull up and I'm loading the clip. Écoute-moi bien. J'espère que de ton côté tu ne vas pas aider Quincy. Non, y'a qu'une seule raison pour laquelle lui il serait capable de trouver n'importe quel subterfuge pour sortir. Et tu sais c'est lequel? C'est sauver ta putain de vie, Quincy. Pose ton chargeur dans la boîte à gants. J'ai de l'honneur avec ma famille, mais t'en fais plus partie. Hey, you know where I'm from now. I'm from a block where money's what we want. West side, gang 10 cards. West side, gang 10 cards. Pourquoi c'est qui le monsieur? Pourquoi les ennemis? C'est quoi le prénom du monsieur là? C'est qui le monsieur? C'est qui le monsieur? Écoutez, je d'accord. Qui? Parfait, suivez-moi. Il a fait quoi? Viens, Jim, venez. Suivez mon collègue. C'est qui lui? Non, mais ils sont curieux. Oui, il est casse. Monsieur, c'est qui lui? S'il vous plaît, monsieur, circulez. Oh, je vous parle, Ganton, c'est qui lui là qui se fait choper? Vous êtes con quoi? C'est Fabio, je l'ai dit 5 fois, c'est Fabio. Si, je l'ai vu. Putain. Ah bah écoute, il est con hein, mais pourquoi il... pourquoi les flics sont là? Ça shoot à côté. Il y a encore de la drogue ou pas là? Il y a encore de la drogue ou pas? C'était là la prise d'otage ou c'était au carwash? J'ai pas compris. Non, au carwash. Ouais, il y a encore de la verte, mais 2 secondes là, tu vois pas... 2 secondes. Je reçois juste après. Pas Javari? Quoi, le 5-0 là? Oui, c'est oui, le même oui, ca... si, oui, non, c'est le même qu'avec Russell. T'avais quoi là? T'avais des trucs sur toi? J'ai des poches, mais il les a pas pris, mais ça y est. Et y'a plus de prise d'otage là-bas là? Si, je crois. Si, y'en a 2 là qui braquent hein, avec un pétoir l'autre. Mais ils braquent des flics. Ils ont une meuf. Non, j'aimerais bien qu'on sauve. Isabella et Jay. Je m'en bats les couilles, hein, j'ai pas sauvé des meufs ou je ne sais quoi là. Non, on s'en bat les couilles d'eux. Ça me fait la pute là. Attends, ouais, on va les voir. On hein. S'en bat les couilles d'Isabella, les gars. Par contre, j'ai 6 pétards sur moi donc. On va de plus pour pas avancer. Non, bah on va aller juste voir ce qui se passe hein. Non, mais on s'en bat les couilles d'Isabella, les gars. Et si c'est les roquinas, je vous le dis, on se met dans une voiture, oui, on va les arroser. Il y avait Thiago, il était pas masqué. Ouais, on va les arroser. Et c'est leur sultan. Ils ont pas de sultan. Braquer, ah, tu vois. Si, sultan. S'il y a le flic, à gauche, il va venir, il va te fouiller. T'as vu, il veut pas l'assurer. Voilà. S'il me fouille, je t'assure, je tire dessus. Vas-y, venez. Il est fort avec son circulaire, il m'a cassé les couilles. Pardon. Je fais des pétards. Et tiens, quitte. Laissez vite, ils vont voler ton entelé au bishop et ils vont te le rendre, merci. Vas-y. Ouais, bah de toute façon, si c'est pas eux qui le font, c'est... Ouais, je vais le faire très très vite. Hein. Et il est où TK? Appelle TK s'il te plaît. Appelez-le s'il vous plaît. Tiens, Lazar, viens. Vas-y, appelez. Quoi? Appelez TK. Et appelez Jamie aussi. Putain. Essaye d'appeler quoi s'il te plaît. Attends, c'est pas avec Kirk. Non, j'appelle. Vas-y. Appelle TK, j'appelle Jamie. Tu veux faire quoi? C'est peut-être TK ça? Allez, on va voir, on va les assumer un moment. Ah, c'est Madère. Je le dis, hein, moi. Et vous? Non, tout le monde, tout le monde. Viens, quartier, viens. Rien à foutre, frère, ils veulent venir faire des présentations dans le quartier, on n'est pas. C'est ça qui m'énerve, c'est ça qui m'énerve. En fait, tout le temps, Ganton, ils le font exprès. Ouais, mais parce qu'ils arrivent pas à nous péter, tout simplement. Parce qu'ils arrivent pas à nous péter. Ils nous cherchent pendant des soirées entières, ils arrivent pas à nous péter, donc ils viennent dans Ganton à 22h. Vas-y, on va les baiser. Tu veux quoi? Moi, je vous dis, j'ai pas envie de. J'ai pas envie de les calculer, ces mecs-là. Bah, Lazare, il veut te parler, Madère. Ah ouais, depuis quand? Ah, c'est toi qui viens me parler. Quand on rentre dans les favelas, ils disent attention, c'est les favelas, ils peuvent vous voler vos voitures, vos jantes et tout. Tu crois, Ganton, c'est la zone tranquille là, c'est un ouf lui. Allez, on va les fumer, je vous dis. En fait, ils ont essayé de péter TK, ils ont tiré sur TK. Ah, c'est TK qui a été touché. Ouais, il a été touché. 3/4 du temps, c'est toi. Là, il est contre une voiture là. Qui, TK? Ouais, il s'est fait tirer dessus. Mais il est où? Tu vois, il est dans le coin, il m'a tiré dessus. Mais s'il m'a tiré dessus, c'est derrière là-bas, derrière chez Léo Bloc, c'est attiré là-bas. Vas-y, on y va, on va. Il a dit, il est contre une voiture de 5-0. Attends, hé, venez, donnez-moi la voiture. Donnez-moi la voiture. C'est pas toi, c'est pas ton problème. Tranquille, t'as la clé des gens. Tiens, attends, bouge pas.
C'est même pas pour ce mec que je dis ça, j'ai pas les couilles, c'est juste que ça fait des tubes. Tiens, meurs. Vas-y, montez les. Kit, Russell, Jamie. Vas-y, il est où, Kit? Je suis là, David. Il est monté. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on va faire là? Oui, Jamie, bah réfléchis ce qu'on va faire. Ça va être rapide. Eh, les gars, pétardés pour le moment, ici, faites rien. Faites rien pour le moment, okay. Ici. Hein. On va s'en occuper et s'il faut tirer, je vous le dis, mais même si ça tire, sauf si ça part en grosse fusillade, ne tirez pas, ok? Restez ici là pour le moment et je vous tiens au courant si besoin. Mais non, il est où TK là? Je sais pas, mais en fait il a dû se faire allumer derrière là, sur la droite derrière. Mais genre, dans les blocs, il y a des médecins ou il y a quoi? Je sais pas, il a dû se faire récup, j'entends des sirènes et tout. Et pourquoi ils l'ont allumé? Il a fait quoi? Je sais pas, j'étais pas avec lui donc je sais pas. Je regarde, hein. Oui. Ça va exploser. La moto. Attention, la moto, les gars. Oh la tête. Je me bosse pour les mecs. Tu vois un Lost faire ça? Non, pas pour le moment. Ils vont nous contrôler sinon pour rien. Vous avez eu un appel de d'urgence ou pas? Ouais, ici. Ah, ici. Ok. Moi, je pense qu'en fait, les flics, ils ont chicaille. Hein. Ils partent là, les Rokina. Tu veux leur casser les couilles? Tu montes sur le toit, tu fais un pneu, tu pars. Quand on vous baise. Ouais, bah ils ont allumé TK, ils viennent de le dire. Hein. Ah, mais t'inquiète. Leur poursuite, crois-moi, ils vont prendre cher. On a vu les voitures qu'ils ont. Ah, ils ont une sultane quand même. Pardon. Désolé, monsieur l'agent. Excusez-moi de la vitesse. J'ai paniqué. Bah, mettez-vous sur le côté, monsieur. Vous avez pas mieux à faire là, regardez des brigands qui viennent de faire des dingueries. Là. Boîte à gants, ta carte d'identité permis. Je te regarde faire. Vous pouvez juste couper le contact, monsieur, et retirer la clé, s'il vous plaît. Allez, tu peux faire le contrôle à la fenêtre direct. Si je prends le volant. Bonsoir. Vas-y, je te regarde. Et moi, monsieur, est-ce que vous avez un permis de conduire à me présenter? Ouais. Carte grise du véhicule. Permis de conduire, tenez. Ouais, oui. Aujourd'hui, on peut. Ah, ouais, okay. C'est normal, c'est normal. Ouais, pareil. Ok. Bon, bah, ouais, moi, en tout cas, ils sont bien là. Mais carte grise, je crois pas l'avoir sur moi, mais c'est bien ma voiture. Si vous voulez, okay. Vous pouvez vérifier. Ça marche. Bah, je vais vérifier en vif et. Vas-y, pas de soucis. Hein. Soit elle a mon nom, soit elle est celle de John Trey Crawford. C'est mon pote. Ça marche. C'est qui ça? Je sais pas, c'est des sacrés paysans. Ma mère. Allô? Ah, Lionel Martinez, ouais. C'est ça? Ouais. Ah, le changement, il a pas été fait. Ouais, je vois, c'est qui? Bah, on l'a acheté à Lionel, mais. Ça a pas fait le changement encore alors. Il devait nous refaire les papiers. Je l'ai acheté d'occasion sur Marketplace. Ok. Voilà. Bon. Juste un avertissement. Ouais, pas de soucis. Tu l'as pris au début. Je vois, bon, ce sera le monde. Pas de soucis, monsieur l'agent. C'est quoi? On est à pied au niveau de la station service. Bon, bah, ils ont eu de la chance, hein. C'est pourquoi ils nous contrôlent? Pourquoi? Ça fait 10 minutes, t'es en poursuite avec la charmante. Ouais, on avait 150 potions de weed sur nous. Je les ai semés 3 fois, j'étais en train de vendre. Ouais, moi je suis d'av. Ouais, bref. Pas calculer les Rokina, vraiment. J'aurais vraiment la flemme. Mais Jainok, tu t'étais enfin changé, tu t'es remis en pur. C'est comment les gars? Mais j'ai pas de thune, mon frère. Enfin, j'ai de la thune, mais je vais pas dépenser sur des habits, je m'en bats les couilles. C'est comment du coup là? Bah, ils se sont barrés, hein. Attends, bouge pas, celui, je pose une porte comme n'importe, bouge pas. Vous voulez pas, on prenne notre chairman aussi? Si, mais attendez, on va tous se rejoindre ici là, à l'impasse. Ramenez tout le monde ici là. Hop. Il y a TK, surtout les gars dans les rues là, il s'est fait allumer. Ouais, mais je pense pas, il est dans les rues, hein. En gros, Fabio, il est parti en courant du car wash à dans les blocs des hauts blocs, tu sais, derrière là où il y a le garage. Bah, go chercher. Moi, je vais. Il a pas été emmené. Ouais, chercher, pendant ce temps là, moi, je regroupe tout le monde ici. Viens, quitte. C'est quoi ces gants là? T'as dit quoi? C'est quoi ces gants là? Je sais pas. Médecin? Petite vanne? Oh là, okay. C'est crush. Là, t'as vas-y, attendez ici les gars, s'il vous plaît. Et non, je. Bien, et j'arrive. La chambre vas-y. Non, il faut que ce lourd là.
D'ailleurs, si on avait peur, on avait moi, de... dose, moi j'ai... Ça pouvait être quelqu'un, c'était mon fils de pute, c'était sûr. Y'a quoi? Un mec qui va dire attention. Bah, ils sont là, les bishops. Ah ouais, tiens, go, venez, venez. Si, si, les bravas. Mais t'es con quoi? Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? Vous faites quoi là? Eh, hey, mais attends, vous êtes craqué ou quoi? Vous de venir ici dans le quartier comme ça là? Et là, il y a ma mère, je vais vous shooter ici. Eh, baisse ton arme, je vais vous shooter ici. Arrête de faire le gros. Baissez vos armes, baissez vos armes, baissez vos armes parce que je vais vous shooter ici. Je tiens à vous le dire. Eh, personne va baisser les armes ici, c'est chez moi. Si t'es pas content, tu te barres, t'as compris? Héros, je te ramène ta putain de voiture d'enfoiré, t'as sens comme faire les grosses couilles. Je te ferai les grosses couilles jusqu'au bout, Mighty. T'es content, t'as volé une voiture sur un trottoir. Gros, t'as la foire ou quoi? Enculé ta mère, t'es chez nous ici. Eh, baissez vos armes, parce que je vous jure, c'est à moi à finir cette histoire. Vas-y, vas-y, montez dans les voitures. Cassez-vous d'ici. Putain. Eh, Jamie, heureusement, on te laisse pas la Washington pour la soirée, parce que putain. Ce que tu fais avec. Suis. C'est bon. Tu vois le latino. Casse-toi. Le latino, ils sont débattus dans des voitures. Non, c'est pas nous. Mais il va tirer. Il fallait le laisser. Il tirait sur les bishops. Fallait le laisser. Oui. Ah, mais il s'arrête de tirer en fait. Oh, c'est bon. Oui, il tirait sur les bishops. Trop nul en plus. Tu vois le latino. Je l'ai pas touché une fois. Le latino, ça chute lui. On va lui baiser sa mère. On était en train de rouler, on voulait savoir. On voulait savoir qui c'était. Ouais. Et tu peux me filer un Glock? Ouais, alors attends, c'est Il y a un mec. Mais non, tu viens de te faire tirer dessus, sale bâtard, va. Mais yo, j'ai rien pris. T'as rien pris, t'es juste mort quoi. Un Glock. Mais non, mais je suis pas mort, je suis même pas tombé, vous êtes fou ou quoi? Ah, t'es pas tombé? Non, mais non, il m'a mis une balle, c'est tout. Ah, ok. Il m'a mis une balle quand je courais. Bah attends, qui va te filer son tarpé? Yes, le retour de la Charmonne. Tiens, un Beretta là. On a pas le Glock. Tu as une Nucky. Le Glock, je le garde pour moi. Attends. Ok. T'es déjà une Nucky Seed qu'on dégloque. S'il te plaît. Moi j'ai jamais de Glock. Seed, il a un pétoir, non? Mais ça le menteur, va. On a tous des pétoirs, on est vieux clochards. Ah, y'a que deux pétoirs. Attendez, vas-y, allez en voiture que je visualise là. Allez dans les voitures que je. Jamie, reprend la Sherman, moi je prends le Huntley. Vas-y. Un peu dans la charme de mon équipe. Trois fois de suite, j'ai cette. Il est grave, bon, Rosy, il est grave chaud. Si il est très chaud, il est dans petit moquet. Du coup, non, attends, Zélo, il était dans quelle voiture? Qui était dans le Huntley? Kodak. Et c'est la nôtre? Mais va dans le Huntley. Non, non, les gars de ma voiture, on est dans le Huntley, je viens de le dire. Kit est avec moi. Et Kit, il est où? Attends, c'est lui. Tu me disais qui jouait. Et où Kit? Kit, je sais pas. Dans la charme de. Et Zélo, il est dans la charme de Jamie, du coup? Normalement, c'était Tiki. Non, c'était Tiki, on avait dit de base. Zélo, il est dans la voiture derrière. Ok. Voilà. Zélo, t'es avec G-Nuck et toute la clique. C'est bon. Du coup, y'a qui te pétarde dans votre voiture là? G-Nuck et Seed. Moi et Seed. G-Nuck et Seed. Moi, Russell. Moi, Jamie. Et Tiki, du coup. Vas-y, Jamie, Russell, on va laisser. C'est qui? G-Nuck et qui? Et Seed. Et là-bas dans ma voiture, c'est Lazare et moi. Et Kit. Et Kodak. Kodak. Non, mais je parle des mecs pétardés. J-Nuck, file ton pétard à TK. Non, les gars, c'est trop les frères. T'as quoi, t'as un pétard? Jamais armé. Ah, mais non, frère, mais tu conduis déjà. Ça y est. Les autres, ils sont dans la voiture. T'abuses, cousin. T'as un pétard tous les soirs. C'est bon, calme-toi. Ouais, c'est un soir. Qui, moi? Il a des pétards. Non, pas lui. Pas non, dis-nuck. Qu'est-ce qu'il y a? Non, en vrai, il a pas souvent. Qu'est-ce que tu me dis là? Non, il a pas souvent. Du coup, attendez, il y a trois pétards dans cette voiture là. Ouais. Du coup, Russell. Moi aussi, je fais Mercato de voiture. Russell, t'échanges et tu vas Zélo avec. Russell, tu vas dans cette voiture et là, c'est qui? Bah, Zélo, va dans la voiture devant. Vas-y. C'est bon? Non, c'est pas bon. Bah, si tu veux rester dans cette voiture, tu donnes ton pétard quoi, c'est tout. Ah, il a fait son choix, ce fils de putain. Bien rapide le choix, bizarre. Vas-y, attendez là, tournez sur nos terrains, tournez Vinewood, Vespucci, tout ça, le temps juste que j'aille recustom mon Huntley là, le temps. Et une fois qu'il est recustom, on va à Wardog ensemble. Et une fois que j'ai récupéré Kit aussi, qui est un pétard et qui est en train de se branler je ne sais où. Jamie est parti, il m'a même pas écouté. Hein. Codin. On va changer la couleur là. Non, elle est belle, hein, ça ressort une belle couleur. Ils m'ont rendu avec le pneu crevé, bon. C'est le divertissement des bishops, hein, chacun son délire. Hein. Ah là là, ils sont. Ouais. Ils sont imbuvables ceux-là.
Ah, il faut les boire. Pas bonne métaphore. Franchement, pas mal, hein. Le pire, c'est qu'ils auraient pu faire un truc avec le Huntley, tu vois. Tant qu'à le voler, autant faire un truc stylé. Tu me dis, yo, je sais pas, on se fait un combat, on le met en jeu et tout. Moi, j'aurais dit, vas-y. Hein. Après, Soli, ça sert à rien de Théo Greycraft un caca, genre. La couleur du caca, la forme, la texture qu'il a, du caca, c'est du caca. Ah, c'est réel. Scam. Nouveau penthouse. Oh, il avait une kippa, les cheveux blancs. Les cheveux blancs. Mais c'est pas une kippa, ces cheveux blancs, là. Oh, putain, j'ai... Je vois ce que tu veux ça, dire. Ça dégaine de Tel Aviv, là. Dans la cotine. Putain, mais 60 de pur talent, cet enculé. Attends, parce qu'ils viennent de se faire shoot, hein. Ils peuvent pas temporiser, putain. Ah, je leur ai dit. Tu vois, Jamie, il veut pas écouter. Jamie, je lui ai dit, attendez que on custom la voiture pour commencer à chasser. C'est fou. Il a l'impasse, Javari. Attends, faut le prendre fast, hein. Il va falloir les éteindre. Appelle l'autre voiture, appelle Russell. Ouais. Appelle Russell et... Dans la voiture. Vas-y, mets la dernière pose de H, s'il te plaît. Moi, je peux pas avec mon arme. Attends, de sortir. Je te fais c'est ça. C'est bon, c'est bon, je le fais. Ah. En fait, si t'as une arme, faut pas sortir le téléphone du tout. Hein. J'ai pas d'arme dans les mains, là. Oh. Ouais, mais j'ai fait 800 trucs entre temps, c'est impossible. Non, mais même pour que quand tu ressors de la voiture, tu l'es direct. Ouais, je sais, mais... Je l'avais déjà fait avant, donc ils sont là, non? Je t'ai appelé. Ouais, devant là. Ouais. Pas, mais c'est... Arrête-toi, net pitié. Il se passe quoi? Ils les ont pris. Wesh, les gars. Vous faites quoi là? Faites quoi? Eh, bougez pas. Bougez pas, vous, Watcherman. Bougez pas. Oui, d'accord. Bougez pas, bande de bâtards. Eh les gars, je vous jure que ça va tirer bêtement. Vous voulez faire les trous de balle, vous voulez jouer au plus malin ce soir. On va tes gars dans la voiture. On va vous baiser, hein, je vous le dis. Hein. Je tiens à vous le dire. Eh, j'en ai rien à foutre de mes gars. Eh, prenez-le en compte, hein. J'en ai rien à foutre de mes gars. Écoute. Fais le guignol, mets une balle dans la tête. Tu veux mettre une balle dans la tête? Vas-y, regarde bien l'ancien. Comment on va te baiser. Prendre des gens sur des GF, je ne comprendrai jamais. Yo. Y'a plus de balles, mais ils vont pas tuer. Tu y a un gars qui court avec un couteau. C'est pas là, arrête. Je sais pas ce que je te fais. Est-ce que je te fous une balle dans le crâne là? On se casse. C'est bon. Je crois qu'il y a une par terre, je pense, c'est bon. C'est par terre, c'est bon. Y'a l'ancien. Bah, je sais qu'il y a l'ancien, mais. On va le mettre dans le coffre, on va le mettre. Ouais, attends, attends, ils vont suivre la voiture devant. Attends qu'il la suive. Je sais, j'ai pris aucune balle, j'ai pris aucune balle parce que ça, juste ça pue sa grand-mère là ce qui vient de se passer. Ne bougez pas, messieurs, ne bougez pas. Comment je le mets dans le coffre? Ne bougez pas. Eh, je vous jure, on va vous tirer dessus aussi, hein. Je vous jure qu'on va vous tirer dessus aussi. Yo, attends, toi, je te mets dans la caisse là, je te mets dans le coffre. Rendez-vous s'il vous plaît, rendez-vous. Yo, je vous jure qu'on va vous tirer dessus aussi, hein. Décalez de là. Non. Reculez d'ici. Monsieur, s'il vous plaît, circulez, monsieur. Reculez d'ici. Non. Yo, Lazare, je te mets dans le putain de 4x4 là. Rentre. Fais gaffe à ta droite. Lazare, allô. Recule. La Sherman, non. Okay. S'il vous plaît. Bougez pas, monsieur. Bougez pas. Suivez-les. Ah, j'ai plus de pneus. Ok, j'ai là, il va falloir. Yo, j'ai eu rendez-vous avec le Christ 10 secondes, s'il te plaît, laisse-moi aider. Ouais, mais attends, ta gueule, t'es mort, ta gueule. J'étais juste truc pour que tu. Je sais pas. Oui, j'ai capté, mais. Oh putain, cache-toi tranquille, bouge pas. Bon, je sens mon pneu. Ah merde, je suis mort. J'avais zappé, putain. C'est bon, j'ai pas pris de balle. Yo, vas-y. Je vais te porter, vas-y. Yo. Vas-y, j'ouvre la porte, je te descends. Ça te donne des... Attends, des agrafeuses pour tirer, là. Oh, putain. Vas-y. Je t'as ce truc sur le mur, là. Nique ta mère, je sais pas, je fais quoi. Putain, les bâtards. C'est toi qui as tiré en premier?
Ouais. Ouais, bah, genre, c'était même pas une mauvaise idée, ouais. Ah, bah, juste, il va falloir baisser Jamie. Ouais, c'était pas une mauvaise idée, hein. Juste, les gens, ils croient qu'ils ont des otages, ouais, ils sont intouchables, ils vont comprendre. Hein. Ils vont comprendre cette fois-ci. Là, y'a que leurs gars sur la position, nos gars, je sais pas où ils sont barrés. Allo? Allo, ouais. Ouais, 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 vous êtes où, là? Je suis au quartier, j'ai aussi à me casser. Mais du coup, les autres, ils sont... Y'a personne au sol, là, de chez nous. Je sais pas. En gros, y'avait que Lazare, moi, j'ai réussi à le mettre dans le 4x4. Et les autres, j'ai pas vu, hein. Après, les autres, ils sont cassés, je crois, aussi. Ils sont cassés, hein, ouais, c'est bien ce que j'ai vu, donc ouais. Y'a personne au sol, c'est bon. Parce que là, j'ai vu, y'avait des blocs sur position, mais non, c'est cassé, y'avait les flics directs, hein. C'est ce qu'on a fait aussi avec H là. Ouais, mais je dois aller à l'hôpital, j'ai fait sécuriser un max de gars. Ok, ben posez vos armes pour ceux qui sont encore debout et voilà. Moi j'ai juste Lazare au sol avec un pétard là. Vas-y, je pose mon arme chez moi et je vais à l'hôpital. Vas-y, ça roule. En fait, pourquoi j'ai fait ça les gars? Parce que en gros frère, les gars, les otages, c'est pas un shield. C'est pas parce que t'as un otage. Moi, si je décide d'attaquer s'il y a l'otage, crois-moi que s'il fume mon otage, frérot, je suis dans la merde, hein. Mais c'est juste que si je les aurais tiré dessus même s'ils avaient un otage, c'est parce que t'es pas en sécurité, c'est pas parce que t'as un otage que t'es en sécurité, tu vois. Sinon c'est trop facile, frère. Un otage, ça y est, t'as gagné. Après c'est un choix à faire, hein. Si ton otage il meurt, il est mort RP, hein. Là j'ai vu Jamie, il est pas mort, donc s'ils avaient tiré sur nos otages, je vous jure, ils étaient morts RP. Par contre les coups de couteau en GF, par contre vraiment, hein. Ça, il va très vite falloir arrêter, hein. Je comprends pas les gens qui... IRL, frère, il y a une fusillade, je te jure, tu cours pas au milieu de tout le monde comme ça, hein. Attends, je vais faire le craquette, genre en mode... Je vous jure, là, il y a un des... Je sais pas, il y avait qui en otage. S'il y a un des otages qui est mort, il est mort RP. Parce que c'est mon choix, là, j'ai décidé de... Ça va aller, Mighty, hein, tiens le coup. Attends, je vais te faire un garrot là, t'as pris quoi? T'as pris un coup de couteau ou des balles? Mais tu sais que j'ai pas compris, genre ma chute, on dirait je me suis fait planter, j'ai rien capté. Ok, mais tu t'es fait planter où? Tu t'es fait planter ou je sais pas, tu le sais quand même. Ouais, je me suis fait planter, ouais, sur un niveau là. Ah mais le mec au couteau, il a fait plus de... Mais je crois qu'il y a un mec... Il a tué tout le monde alors que les mecs au gun, ils ont rien fait. Mais je pense vraiment qu'il y a un mec qui nous a rush et qui nous a planté. Attends, je vais te faire un garrot là autour de la jambe où tu t'es fait planter. Vas-y. Voilà. Tiens. Voilà. Ok, j'arrive. Je vais juste voir sur position. Je vais faire le craquet, genre le SDF qui habite là. Je pose mon pétard. T'es trop laid en tout cas, sa grand-mère. Plus jamais tu t'approches de moi. Ta gueule. Salope. J'ai vu un mec là derrière, non? J'ai vu un mec ou c'était une particule? Non, je crois que j'ai... Peut-être chez l'ancien. Eh, je sais pas, moi je suis trop nul. Je suis trop nul en GF, mais je le sais. Et tu vois, je le sais, frère. Même mon groupe, il est pas fort en GF, je le sais, tu vois. Bon, il y a 2-3 mecs qui savent tirer, mais. Genre Johan et TK, c'est les deux seuls là. Kit et TK, ils savent tirer. Mais sinon, les autres, on est tous éteints, frère. On s'en bat les couilles. Je sais juste. En fait, je veux juste que les gens ils prennent en compte que quand t'as un otage, c'est pas. C'est. T'as pas win, frère. Quand t'as un otage, c'est bon, c'est pas en mode ouais, t'as un otage, bien joué. Sinon, on passe notre vie à se courir après avec des otages. T'as mis les clés boîte à gants, non, évidemment. Aïe, putain. Putain, il se passe quoi là, ici, là, les jeunes là? Quoi ce bordel là? Pourquoi des tirs là? C'est vrai. Y'a quoi là? Attends, je vais juste regarder s'il y a des mecs de chez nous. Bon, en théorie nous, tous les mecs ils vont bien. Putain, il se passe quoi là, ici là? Putain! On circule, monsieur, demi-tour. Excusez-moi, moi je suis SDF là, j'habite ici là. Partez là-bas, monsieur. C'est passé quoi? Partez par là-bas, monsieur. Y'a rien, monsieur, y'a rien. Circulez. Pourquoi des morts là? Y'a des morts. Y'a rien à voir, monsieur. Putain. Et je suis pas tombé KO en gros, j'ai appuyé sur F9 parce que moi je vous jure, j'aime pas gunfight. Oh putain de merde. Pourquoi t'as un flashball toi?
Vraiment, c'est terrible, les flics, comment ils te laissent aucune solution, wesh. T'as couché l'ancien, magnifique, je pense pas. Là, je voulais juste aller voir, genre, les cadavres, je voulais rien sauver, mais imagine. Imagine, je serais un mec qui voudrait sauver mes armes, genre, je suis un groupe, j'ai qu'une seule arme. T'as vu? Je suis avec Kodak, Kirk, Zelo, là. Voilà. Et vas-y, moi j'étais en otage, j'ai récupéré la Charman, j'ai lâché le bishop que j'avais avec moi. Ouais. Et retour au 7 du coup. Ouais, retour au 7, ouais, s'il te plaît. Vas-y. C'est bon, vas-y. Ouais, carré, j'arrive. Oh là là. Ah, il force trop, frère, ça y est. Mais ils font quoi? J'aimerais savoir. Hier, ils ont failli mort RP. Pourquoi? Tu cherches quoi? Tu viens de prendre des mecs en otage à mon quartier. Tu vois bien, on ne calcule pas. Pourquoi? Je veux juste savoir. Il y a zéro logique. Je comprends pas. Attends, je vais faire ça. On en avait marre. Je vais tout faire, hein. Je vais changer de démarche et tout. Il y a un Zidane. Dans ce doux sous le zizi. Allez, viseur Christian. Oh. Aïe. Oh. Reconnaisse ta gueule, ouais, mais en vite fait, tu vois, tu me vois passer, tu me reconnais pas, ça. Là, ils m'ont reconnu, parce que j'avais la même casquette, le même tout. Ah, faut qu'on bouge d'ici, Maïdien. Ok, c'est pas... Attends, aide-moi, prends mon bras. Attends, parce que j'ai plus de pneus, là, c'est ça le problème. Allô, Sully. Attends, un truc pour réparer, s'il te plaît, là, faut que tu viennes... Là, on est encore poursuite, là, frérot. Avec qui? Avec les flics? Ouais, on a une voiture sur nous là. T'as qui dans ta caisse? Jamie et Sid. Jamie et Sid, vous avez deux pétards. Non, un seul pétard. Ouais, deux pétards. MIG, je vais appeler les autres, ils vont venir t'aider. Pas de risque. Prends pas de risque, on ne perd attends, pas de pétard. Ouais, tranquille. On ne perd pas de pétard, frérot. Hein. Là, je te vas-y. Voilà. Vas-y. T'as un big avance, Jamie. Vas-y. Attends, je vais te prendre MyG, je vais te cacher un peu plus parce que là, il y a des Rokina autour, il y a tout le monde. Ouais, fais un plan, s'il te plaît, pour la voiture de J-Nuck, Jamie et Sid, là, qui est poursuivi, ils ont deux pétards. Faut absolument que tu me fasses un plan dans l'urgence, là. Et je peux péter une moto et save tous leurs pétards? Ouais, si tu veux, peu importe. Trouve-moi juste un moyen, t'appelles J-Nuck. Vas-y, je fais ça, je pose mon pétard. Fais vraiment fast, s'il te plaît. T'en as pas le droit d'avoir mal, tranquille. Ok, hop, je vais te porter... Tu vas aller à l'hôpital avec ton tarpé, mon frère, mais... Ça va, mère, tranquille. C'est à toi d'être bon, là, maintenant. Ouais, je vais y aller avec la graffeuse, t'inquiète pas, je te la rendrai. Ça va être à toi d'être bon, et après, en théorie, si t'as pris qu'un coup de couteau, ça devrait aller, hein. Ouais. Mais sois sûr que t'as pas pris des balles, par contre. Si, ça, j'en ai pris, hein. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que... Toi, t'as tiré ou pas? Ouais, j'ai mis toutes mes balles, hein. Aïe, putain, ça va être chaud, hein. Je reste ici, craré là. Ouais, mes frères, je vais essayer de faire vite, mais il faut que je trouve quelqu'un qui me répare mon 4x4. Hein. Ouais. Reste là, tranquille. Je vais trouver un mec qui répare le 4x4 et. Une fois que j'ai ça, on voit. Vas-y, tu me chopes. Parce que là, je peux pas rouler le pneu niqué. Hein. Je vais me faire poursuivre en 10 secondes ici là. Ouais, je suis craqué de là depuis tout à l'heure pour pas qu'on me pète, mais. Je vais essayer de péter une caisse sinon. Je vais essayer de péter une caisse. Je sais pas pourquoi les favelas veulent me péter ça, je ne comprends pas. En fait c'est juste, je pense juste que soit ils sont missionnés par le cartel mais je comprendrais pas pourquoi. En fait non mais ils peuvent pas être missionnés, tu sais qu'ils sont missionnés par qui? Y'a personne qui veut nous baiser. Ils peuvent être missionnés par personne et... C'est bon, voilà. C'est bon, tu les as semés. Ok. Ouais. Tu peux dire à J-Nuck là de... Je lui envoie une adresse, il vient avec un truc pour réparer.
Vas-y. Ça dit quoi? On a plus de véhicules, hein. Tous nos véhicules sont cramés, cousin. Pourquoi? La Charman, elle est cramée. Bah la Charman, elle fume, on a dû l'abandonner. Et Washington, pareil, cramé. Ok, bah peu importe, la voler une caisse, juste pour que Jane qui vienne me chercher et aller au quartier pour le moment stand-by. Ok. Vas-y, carré. Vas-y, nickel. Carré, on fait ça. Ah, sinon, je vais voler une caisse, mais c'est risqué ça. En fait, à tout moment, je sors, y a des mecs qui me voient là. Parce qu'en fait, le problème avec les bishops, pourquoi j'ai tiré? Parce que aussi, les bishops, frère, ça fait 3 semaines, c'est genre. C'est... Frère, ça fait 40 fois, on se PO, il me re-PO, je le re-PO, il me PO. Vous savez, frère, ça fait 2 semaines, juste on se tire dessus tous les jours. On se prend en otage tous les jours. Frère, au bout d'un moment, faut que la situation elle évolue. Donc là, on sait GF. Maintenant, on sait c'est comment. On sait c'est comment. Là, il sait qu'on peut se GF et tout. Et voilà. Ouais, je suis trop là. Je suis tombé. Là au moins ils savent qu'on est prêt à en découdre. Et là c'est soit ils se disent vas-y on se met dans la guerre mais on peut perdre toutes nos armes comme eux ils peuvent perdre toutes leurs armes. Soit ils se disent bah vas-y ça sert à rien, on n'est pas assez armé, on va calmer les choses, on va faire ci, on va faire ça tu vois. Bah, nickel, une oracle en plus. Elle me sort un gun, je l'arrache. C'est une dinguerie quoi, ils sont tous mis en même temps pour nous attaquer là ou... Allô. Ouais ouais, c'est bon hein, j'ai pas besoin, je vais laisser mon Huntley, juste faudra le réparer tout à l'heure, je le laisse quelque part. J'ai chopé une voiture. Vas-y bah je vais appeler Jinek, je vais lui dire c'est bon. Vas-y nickel, bien vu. Vas-y. Un 02 m'a proposé un tête force à lui. Mais ouais j'étais un 2012 frère. Démon il est bizarre. Juste derrière si jamais. Je trouve pas. C'est bon, je suis pas con, juste appuie. Vas-y, ils m'ont mis dans un bourbier là, j'ai la pire voiture pour aller là. Je vous jure, je le sens mal là, cet endroit. Putain, ouais. Le pire endroit pour ramener cette voiture qui roule à 12 km/h. Je suis bien désolé messieurs, mais je suis bien le dernier à partir, faut bien que je porte moi aussi également, non? Tu penses pas? Tu portes où? Je rentre à Harlem, hein, mon ami. Hein. Mais t'es non, arrête échos, tes conneries là, démon, s'il te plaît. non, putain, belle chaîne, hein. Quoi, une chaise 5 000, là ça, non? Ouais, ouais, bah c'est Je me choisis aussi le temps que t'arrives, hein. T'as pris du temps un peu. Ah oh, putain, alors s'il y a bien un mec que j'aimerais bien qu'il rentre à Harlem, c'est bien lui. Ou en France, qu'il rentre à Toulouse, là, je sais pas. Je vais rentrer chez toi, cousin. Pourquoi t'es venu solo? Ouais, j'ai ramené un peu d'oseille, hein, mais du coup, je savais pas combien j'avais besoin, donc s'il faut, là, je vais faire un aller-retour vite fait. Non, pas la peine. Montre-moi donc celui. J'ai ramené 40 000, hein, comme tu m'as dit. S'il faut, j'ai ramené plus un peu. Ah. T'as ramené que 40 000. Vas-y, bah au pire, je vais. Non, t'inquiète, t'envoies les 40 000 dans un premier temps, c'est pas grave, t'inquiète. Tiens. Alors, et qu'est-ce qui se passe? Du coup, j'ai un peu mieux qu'un Beretta, du coup, tiens, ça fera l'affaire, je pense. Hein. Oh, yo, c'est de la frappe, ça. Putain. Ah ouais. Nickel, Mighty, franchement, ça fait plaisir. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Ben, je pense que t'es pas dupe, hein. Je pense que t'as vu hier ce qui se passait avec Cletus. Ouais. Toute la nuit, on a cherché, moult façons, calculé moult façons. Mis à part la mort et faire une guerre sanglante, je vois pas, dans les médias. Ouais. Maintenant, non, on sort justement d'une guerre à Harlem. C'est pas pour refaire une guerre derrière dans la foulée. On est millionnaire. Je pense que tu l'as vu, de pas notre statue Los Santos. Disons qu'on a fait les choses bien jusqu'à présent, celui. Ouais, effectivement. Et que plus rien n'aura attaché à cette putain de ville, hein, je te mens pas. Si demain il y a un nouvel importateur, peut-être qu'on reviendra. Dans les médias, rien m'attache à rester ici. Je vois, je comprends. En vérité, faut aller là où il y a l'oseille, hein. C'est normal. Exactement, non. Non, j'ai une requête. Ouais. À te faire.
Je sais pas si tu comptes rester éternellement dans les rues ou bien évoluer comme nous. C'est toi qui gères ton set, hein, bah les couilles, hein, celui je te vends pas. Ouais. Mais disons que je vais laisser pas mal de choses derrière moi. Que ce soit mes entreprises, les custom, le Rockford, le luxe, ou bien même des business, comme la blanche et la bleue, ou même le business d'armes. Ok. Disons qu'à mon retour, parce qu'on va revenir tôt ou tard, hein, comme ça tu le sais, hein. C'est une question de temps. J'aimerais bien que tu t'accapares les business d'armes, au moins une partie. Pas à 100%, tu n'arriveras pas, ouais. Mais une partie du moins. Bah écoute, moi c'est très bien. Pourquoi pas, hein. Nous on peut de notre en côté, aller, on est là, hein, mais je sais pas comment ça fonctionne moi, je sais pas faire. Je suis plus le genou, quand Cletus sort son zizi, tu l'attrapes en premier. Ouais. Tu le gobes, bien évidemment. Ouais. Tu laisses pas une miette, tu gobes tout. T'as laisse pour personne, tu fais le bon toto. Ouais. Et une fois que c'est bon, nous dans tous les cas, comme je t'ai dit, hein, le fait qu'on part à Harlem, c'est pour une bonne raison. C'est pas juste parce qu'on a pété les millions et non, t'as vu. J'ai seulement 24 ans, j'ai au moins encore quoi, 10 ans avant de canner peut-être. L'espérance de vie d'un Renault, c'est quoi? C'est 40, 45 ans. Quand il est dans le business, grand max, c'est encore. Ouais. Donc nous, on ira à Harlem. On va se pencher sur le cas d'importateur. Et dès qu'on aura un autre importateur que ce foutu Cletus, bah, on reviendra à Los Santos. Hein. J'espère que tu auras le business en main et qu'on pourra bosser ensemble. Et du coup, tu géreras le business exclusivement, comme on souhaitait de base. On mettra un autre mec avec toi, histoire que bah, y a au moins deux fournisseurs à Los Santos. Et on va contrôler cette putain de ville, hein, tout simplement. T'inquiète pas, Mighty, j'y compte bien. J'y compte bien. Est-ce que t'as une requête de ton côté à me faire avant de partir? Écoute, Mighty, je vais pas te mentir, hein. Genre, je vais faire ce bateau. Merci, Pierre, déjà. Non, bah non, du coup, j'ai pas de. C'est moi, t'inquiète, il est là. Juste, il a fermé sa gueule. Bien. Ok. Quoi, tu me disais? Moi je disais, écoute, moi je vais pas te mentir, hein. Je laisserai pas ça impuni là, ce qui s'est passé ces derniers jours, je l'accepterai jamais. De toute façon, il a tué ton frère, hein. Ouais. Est-ce que j'ai compris. C'est moi qui l'ai fait. Est-ce que j'ai compris que je t'ai fait péter hier, c'est mal passé? C'est mal passé, mais c'est moi qui ai fini par le buter pour me sortir de là dans un premier temps. Mais aussi parce que t'as vu, nous on était capable de déplacer des montagnes pour lui. Et lui, je l'ai appelé, je lui ai dit c'est soit toi, soit moi. J'ai Cletus en face de moi, il m'a dit je me déplacerai pas pour toi. Donc écoute, il me l'a mise à l'envers, hein, jusqu'au bout. Mais je lui ai fait un sorte de... Je lui ai mis un coup de pression, hein, qui a marché. Je lui ai mis un gros coup de pression qui a fonctionné, évidemment. Je lui ai dit qu'on allait boucler tous les aéroports, que le cartel allait mettre des hélicos, qu'il allait jamais... Aucun avion ou hélico allait décoller de Los Santos. Enfin bref, j'ai mis une grosse pression et il s'est rendu à l'évidence. Maintenant il est mort, cette histoire elle est réglée. Et moi je laisserai pas ça impuni, je tuerai les personnes qui ont contribué. J'espère de près. Bien. Tes parents sont encore en vie? Mes parents, non, ils sont morts. En septembre 2001, les deux. T'es le seul, là. Tu vas me rattacher à cette putain de vie. Après, si, y a quelque chose quand même. Y a Jojo et Busta. Hein. Pour moi, c'est eux mes vrais frères. Hein. Je te l'ai déjà dit. Hein. C'est eux mes vrais frères. Écoute. Et pour moi, c'est les seuls qui me rattachent. C'est les seuls qui font que j'ai pas rien à perdre. Et tu sais très bien, quelqu'un qui n'a rien à perdre, c'est très dangereux. Exactement. C'est même pour ça qu'on est là aujourd'hui, nous. Écoute, rattache-toi à eux, et comme je t'ai dit, j'ai insisté avec son chibre à celui-là. Ouais. Gobble, t'as eu gobble, laisse-le croire que... T'es pas rancunier, tu t'en bats les couilles, c'est ton frère, mais c'était un copse avant tout. Et venge-toi, hein. C'est tes histoires, ça, mais moi, à mon retour, si malheureusement t'as pas le business d'armes, que c'est pas, par exemple, même les hauts-blocs, non, en fait, non. J'allais dire les hauts-blocs ou les savages, mais non. J'ai confiance en personne à part toi, dans cette putain de ville. Donc si à mon retour t'as pas le business ou qu'il t'arrive avec des bricoles, malheureusement tu te doutes bien que ça va être plus qu'une guerre. Je sais bien, mais t'inquiète pas, hein. Compte sur moi, tu sais très bien à quelle vitesse c'est allé, tu sais qui on est, tu sais comment on bosse à... ici, et voilà, tu sais qu'aussi y a des enfants d'Harlem chez nous, hein. Et dire que j'en fais partie aujourd'hui. C'est pour ça que je vous fais confiance, hein. On a un certain lien entre nous qui dépasse la rue, les simples commandes de coke ou d'armes, de la musique, peu importe, ça dépasse tout ça. Et c'est bien pour ça que je t'ai fait confiance, hein. C'est pour ça que je te demande si t'as besoin de quoi que ce soit, c'est maintenant avant que je parte. Si t'as besoin de rien, bah écoute, t'as de quoi faire, je pense. Hein. Ouais, écoute, dans l'instant T, j'aurais eu bien besoin d'une dernière commande, mais bon, après, je vais pas te retarder sur ton truc. Commande de quoi ? Ah, j'ai plus du tout de munitions, on vient de foudroyer les bishops, là. Et voilà. Hein. Je te laisse fouiller mon sac, hein. Dis-moi s'il y a un truc, mais dans les médias, des munitions de 9mm, ça va être compliqué. Ouais, c'est plus des... Ah ouais, d'accord, en fait, t'es venu avec le matos, en fait. Je rentre à Harlem, hein. Putain, mais si tu m'avais dit je serais venu avec plus d'oseille, moi j'en aurais pris d'autres.
bâtard. Tu me feras. Si t'as besoin, tu me feras un virement au pire. Hein. Après, ouais. Tu te dis bien que j'ai pas tout donné. Ah, t'as pas des. Y'a aucun gars là qui reste ici qui pourra te filer l'oseille. Non, on est les derniers. En tous les cas, je t'offre ça. Ça, c'est moi. Hein. Ouais, tu te dis bien que les collaborateurs, ça a été pareil pour tout le monde. Hein. Ouais. Maintenant, si tu veux plus d'armes, cousin, je te demande pas, j'ai que ça sur moi. Il faudra me faire un virement une fois que je serai sur mon bateau. Bah, on fera c'est ça. Toi qui vois. C'est quoi, t'as besoin de mine? Ouais, ouais, mine de sur pistolet, toi. Là, c'est galère. Ouais. Bah avant, j'ai un truc à te dire. Et là, ouais. C'est le moment où je meurs, là. C'est vrai que t'as beaucoup manqué de respect, c'est vrai, ça. Je vais gérer votre bif, hein, les gars. Je t'explique. Ouais, qu'est-ce que ça s'est fini comment avec les Hoover? Là, non, je parlais avec Jojo, apparemment, vous avez canné des Hoover. Ils sont tous morts. Ouais. Et là, si je défume, c'est comment, Ron? Ah, yo, K-Flock, écoute. Tu sais très bien que dans la rue, on revendique de l'avoir fait, mais tu sais ce qui s'est passé. Et tes propos, ce que tu disais. Et tu le sais très bien, K-Flock, c'est pas parce que tu mets un gun sur la table que je vais changer d'avis. Il m'a montré des vidéos, tout ça. Bon, je t'explique. Mais des over. Explique-moi tout. Je t'explique. Ces mecs-là, ils sont venus. On les a. On devait les péter pour une raison, je sais plus laquelle était-ce. En tout cas, c'était un truc à la con. On a essayé de les péter, ils sont pas arrêtés, on a shoot leur voiture, tu vois. Le soir même, ils sont venus dans le quartier, ils ont attendu que je sorte d'une maison, là, j'étais dans la maison d'un gars. Je suis sorti, fumer une clope, ils sont arrivés, une voiture de trois. On dit, lève les mains, là, j'ai sorti mon pétard, ils m'ont allumé. Eh, crois-moi, tu tires pas sur la tête de Ganton. Donc, c'était la première fois que je prenais une balle depuis ma sortie de prison, et ça commence à faire un bout de temps, quand même, que je suis sorti. Donc, on s'est dit, ok, demain, on va les enculer. Qu'est-ce qu'on apprend? On en chope 3. Qu'est-ce qu'on apprend? Ils sont en train de faire une Pacific Bank et je sais pas quoi. Ils sont suicidaires, ils font ça sans masque, je sais pas quoi. Quand on a pris les 3 gars, j'ai... Franchement, tous mes gars avaient la haine contre moi parce que pendant 20 minutes, je faisais quoi? Appeler Dash, lui dire, viens voir tes gars. On va pas les tuer, trouve une solution. Au bout d'un moment, il a jamais voulu trouver de solution. Je les ai tués les 3, on a filmé, effectivement. Et après, on est allé dans la banque. Ouais, comme des grosses couilles, on est allé sur le toit. On est monté, on est allé dans la banque. Et putain, je suis fier de toi, celui. Qu'est-ce qu'on a fait? On a beaucoup réfléchi. Hein. Et on a décidé de faire quoi? De tirer partout dans la banque pour qu'ils se prennent un assaut des flics, hein, parce qu'ils étaient les malins. Parce qu'en fait, nous, on voulait les prendre. T'as vu, on voulait rentrer dans la banque et les prendre en otage, les baiser, tu vois. Mais ouais. Ces trous de balles, ils avaient même pas ouvert les portes. En gros, il y avait que la porte d'entrée à l'avant qui était ouverte. Ils avaient même pas accès au coffre, alors que nous, on avait accès. Du coup, je me suis dit, peut-être on va prendre l'oseille, mais en vrai, c'était trop compliqué. Il fallait des hackers, bref. On a tiré dans la banque, on s'est dit il va y avoir un assaut du LSPD. Au résultat, il n'y a pas eu d'assaut. Il a été 30 minutes plus tard l'assaut. Et nous, on s'est barré. Il y a eu les flics à notre cul, mais rien de spécial. Et après, les Hoover se sont fait niquer par l'assaut des flics. Hein. Mais en soi, à part avoir tué 3 Hoover qui étaient des petits, on n'a pas fait grand chose. Hein. Je vais pas te mentir. Hein. Ok, et non, c'est comme je t'ai dit. Jojo, il était fier. Hein. Ouais, fier, mais ouais, on est fier quand même, tu vois, c'est normal. Ouais, c'est un quartier adverse, hein. C'est les Ops. Ouais, bien sûr. Et tu vois, comme je t'ai dit, peu importe si t'as un gun en face de moi, je changerai pas mon avis sur toi, hein, tu le sais très bien. Moi, maintenant, ouais, là, j'ai appris avec le temps que t'étais un gars respectable et que tu savais faire du business et qu'au final, si t'es passé de H-Ray à Harlem, c'est pas pour rien. Donc, je me suis calmé sur toi. Mais t'as vu, moi, ça me dérangeait quand t'étais ouvert. C'est tout. Ouais, bah c'est normal. Donc, Henri, y'a pas de galère. Tu connais Renoir, y'a pas de galère et fais ce que t'as à faire avec ça. Tranquille, Renoir. C'est la première fois que je te dis ça. Non, en vrai, je retire loin. À la revoyure. Une poignée de main. Ouais, une poignée de main, comme on dit. Ouais. Non, mais t'as vu, on a évolué maintenant, on est plus en 2012. Ouais, prends soin de toi, Renoir, et crève pas avant que je vienne, hein. C'est bon? T'inquiète pas, mon gars, t'inquiète pas. Vas-y, et embrasse Busta pour moi sur les fronts. Ça roule les gars, et ben on se revoit. Vas-y. A plus tard. Je dirais à tes gars de RT, mon dernier tweet que je vais faire. Oh le tweetos. Putain, je suis triste les gars. Putain, les larmes les gars, les larmes. Non, pas eux. Non, ça c'était un groupe de fous. J'espère juste qu'ils vont vraiment faire une scène de fin, parce que là je sais que c'est pas vraiment leur fin. Je sais que c'est pas vraiment leur fin, mais faut pas. Et les gars, faut se dire, c'est qui le prochain Harlem, hein? C'est peut-être nous. Ah là là.
Non, lui s'appelle pas Travis, il s'appelle Palmy, les gars, je vous le dis. Yo yo hey, yo, yo, c'est Travis, commencez pas. Tranquille quoi, les gars. Ça va, quoi. Ça va, quoi. Ouais, bien. C'est vous là, Jefferson Street là, c'est vous, vous taguez partout là. On fait quoi? Vous taguez votre nom partout là, putain. Ah bon? Bah ouais, c'est comme les chiens, on fait pipi. On fait notre territoire. Yo Tyson, tu vas. Ouais, je t'envoie l'adresse là, t'inquiète, dans deux secondes. Ouais, on est place des cubes là. Vas-y, je t'envoie ça, vas-y. Ah, c'était... ah oui, c'est vrai que c'était pas toi de venir. Yo, vous avez parlé avec TK. Comment ça? Tu parles à moi là? Ouais, ouais, on parle de... parce que je crois que c'est lui qui devait venir. Hey, yo, c'est moi, si, mais il doit venir, je suis juste de passage ici, moi. Je suis la tête de Ganton. Je m'appelle Sully. Ah, ah yo, c'est toi, quoi, Sully, le fameux Sully. Ouais, c'est moi, enchanté, les gars. Putain, enchanté, enchanté. Hein. Ouais, bah, pour tout ce qui est business là, vous passerez par TK, mais voilà, vous savez que ça passe par moi. Hein. Force TK. Si vous voulez bien bosser et faire de l'oseille, vous savez de quel côté faut se rattacher. Hein. Comment ça, quel comment côté? Ça, un côté? Bah, t'as capté du côté des Renoirs, my G, hein. C'est simple. Hein. Voilà. Oh non, vas-y, va commencer à me saouler avec ces BLM. Vas-y. Ah, les gars, je vais pas vous mentir, hein, nous, on est les Gantons. Nous, là où il y a de l'argent, on travaille, c'est tout. Et ben voilà. Tu peux pas être du côté des. Yo, c'est un albinos, lui, ou c'est un white? Non, c'est juste un. Yo, comment ça? Non, c'est Bounty, laissez-le. C'est pas une tête de chez vous, lui, j'espère. C'est Tipex, c'est Tipex. Tipex, c'est un petit peu. Tout ce que tu veux, yo. Ouais, c'est un petit peu, c'est un petit peu. Un frère, Renoir. Ça va, ok. Ouais, vrai. Bon, bah, nous, on habite juste plus haut là-bas. Là. On a toute la. Toute une allée commerçante là. Ça vous intéresse. Non, c'est les vacances, ça. Oui, c'est. Ouais, c'est quoi cette voiture? C'est quoi cette voiture? Tu regardes, elle est même tellement petite, tu passes même pas. Je te jure qu'elle est incroyable par contre. Ils aiment pas venir dans notre quartier. Incroyable. C'est quoi cette voiture là? Oui. Ça va? Ça va et toi? Ça va, tranquille. C'est qui? C'est Rafi là? Oui, c'est Rafi. C'est le seul Vagos qui est en. Non, il y a Emilio avec moi. Ah ouais, ok, ok. Oui, on est actifs ces temps-ci, on est beaucoup, on je est trois. Ça, ouais, je vois, hein, vous êtes massif. Tant mieux, et tant toi, mieux. Et toi, tu fais quoi, toi, Sully? Bah, moi, toujours un business, je kill des mecs, je fais ma vie. Hein. Oui, oui, j'ai vu hier, t'as kill les mecs en plus. Oui, j'ai kill un ah mec. Bon oui, aujourd'hui, oui, j'ai oui. Kill les bishops là, tous. Ah ouais? Ah bon? Ouais. Pourquoi on les a vus alors? Ah, mais grosse fusillade. On les a vus les bishops. Non, mais ils sont vivants. Hein. J'ai pas... T'as vu, on a visé les jambes encore, on est gentils. Mais il y a une grosse fusillade et c'est parti en couille. Par rapport à quoi? Par rapport à différentes choses, des désaccords, Wardog principalement et voilà. Ah, en fait, désolé d'avoir crevé vos pneus parce qu'ils nous l'ont demandé. Quels pneus? Je crois les pneus quand votre voiture a été transformée en rose. Ah bon? Hey, ils nous ont demandé de crever vos pneus, ah, ouais, bah tranquille, de hein, toute façon c'est que des pneus, mais je vais pas te mentir, Mighty, hein, il va falloir choisir avec qui tu veux bosser, hein, parce que moi, si tu bosses avec moi et que j'apprends que tu bosses avec lui, ça va pas le faire, hein. Le vrai oseille, il se fait avec nous. Donc, tu sais quoi faire maintenant. C'est vrai, regarde, depuis que je bosse avec lui, les gars, je suis pas riche. Pas toi. C'est normal, tu bosses jamais avec moi, toi. T'as bossé une fois, t'as fait de l'oseille et depuis, tu m'as jamais recontacté. Tu m'appelles quoi? Quoi? Je te jure, bon, tu m'as recontacté une fois, mais c'était pour un truc chiant. Non, je t'ai rappelé deux fois. Mais appelle-moi, hein, tous les jours, moi je te fais des transactions, c'est ce que tu veux. Vas-y, donne-moi un truc à faire là. Un truc à faire attraper maintenant là. Si je te file de la cam et je t'envoie faire un go fast là, tu me ramènes l'oseille. Mais bien sûr. Et ça, c'est pour nous. Ça. Et vous là, ça vous dit quelque chose aussi à droite? Ouais, maintenant, tout de suite là. Tout de suite. Attendez, ben justement là, je vais une transaction, je vais récupérer ce que j'ai récupéré. Je vous file du matos. Et. Et vas-y, on va voir qui est bon, hein, qui est bon sur le terrain. Okay. Tu veux pas commencer par notre transac déjà? Yo, Sully, t'inquiète, fais-leur leur transac, eux ils viennent d'arriver, faut que se mettent. Moi je vais péter des Savage. Péter des Savage, pourquoi? Moi je m'en fous des Savage. Attends, qu'est-ce que tu peux me péter moi? Des bishops. Hein. Ouais, non. Ouais, des bishops, mais bah les couilles. Ok. Tu veux que je te pète le cartel? Pète-moi le. Non, non, non. Moi je veux vraiment Vasco. Qui Vasco? Pète-moi le cul. Non, en vrai, rien. Oh oui, d'accord. Ça va, je t'inquiète, je t'appellerai Rafi. D'accord, ah, tu vas pas motivé. Vas-y, on se recontacte, les gars, de Jefferson. Vas-y, à plus tard, les gars. Ouais, du coup, Jefferson, de ce que j'ai compris, TK et moi, on s'en occupe. De ce que t'as dit à TK, je crois. Ouais. Et il m'a dit, TK, on s'en occupe ensemble et tout. Yo, ta gueule. C'est moi que t'as dit ta gueule. Ouais, ouais, c'est à toi que j'ai dit ta gueule, t'as quelque chose, t'as un problème. Quoi, regarde, j'ai toujours été un petit honneur, regarde aujourd'hui, arrête la voiture. Tu vas faire quoi? Vas-y, vas-y, j'arrête la voiture, t'as un problème. Tu veux quoi? J'ai un problème. Tu veux qu'on se gunfight là tout de suite ici? Yo, vaut mieux pas pour toi, je pense là. Là vu ah ouais, vas-y, sors ton pétard, vas-y. J'en ai pas, yo. Ah, bah moi non plus, j'en ai pas. Alors, on fait comment la petite chienne, va? Rentre dans la voiture et danse là. Salope, va. Cachou, cachou.
Oh la danse, loser. Eh la moula. En plus, tout à l'heure, vous êtes tous fait éteindre, j'en ai éteint deux. Voilà, c'est tout. Hop. Moi, j'ai. Eh, t'as, toi, tu sais pas, je. Si, mais si, j'étais besoin d'un côté. J'ai tiré dans le. J'ai vu l'ancien, je l'ai visé. Je lui ai tiré dessus, j'ai mis 4 balles. Non. Et après, je me suis mis par terre. C'est comme une chienne. Ah, c'est vrai que t'étais en position levée, toi. Moi, j'ai éteint. Pas... Non, t'as j'ai pas, pas une bouteille. Je vais canner. Moi, j'en ai. T'as pas une bouteille, celui. Bien vu. Si, j'en ai, attends. Hop. Je me gare juste. Ah, moi je fais la salope, ouais. Mais comme j'ai dit aux autres, hein, moi j'ai 34, fait, hein. J'ai 34 ans, hein, moi tu mets une balle, mon gars, c'est pas. Tu sais que. Non, mais hey, vas-y. Tu sais que Vasco il m'a fait. Vas-y, j'en ai pas parlé, hein, mais. Tiens. Bien, je peux avoir de l'eau aussi, s'il te plaît. Tiens, chef. En fait, le problème. Merci, merci. Parce que tu sais que, après, tu vois, quand ils sont partis avec leur voiture. En gros, tu regardes, moi j'ai tiré mes balles, j'en couche deux. Et t'as vu, il y avait le Huntley comme ça, eux ils étaient face à moi. T'as vu, en face, de l'autre côté du Huntley. Donc moi j'ai plus de balles, je fais quoi? Je me retourne comme ça et je pars. Parce qu'il y avait les flics qui arrivaient, je voulais pas perdre mon strap. Ouais. Donc là, tac, il me met une balle quand je suis occupé à courir. Et tu sais, bah, il me tire dessus, donc je vais pas courir tout droit, je suis pas un trou du cul. Ouais. Donc je fais des gauches-droites, il repasse à côté de moi en voiture et il fait. Il m'a dit. Et toi, je vais t'éteindre ta grand-mère la pute. T'as vu, mais avec une haine au fond de sa gorge. Quand ouais, mais c'est ça que j'aime pas en fait. C'est qu'à des blots, moi je les aime bien, tu vois. Kush, l'ancien et tout, je les aime bien. Mais il y en a certains là dans son équipe qui m'énervent. Quand Vasco il m'a dit ça avec la haine au fond de sa gorge, j'ai serré vraiment fort. En fait, tu reconnais les gens qui disent ça pour rigoler et les gens qui disent ça vraiment sous l'énervement. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, moi, ouais, tu sais très bien que quand je suis face à toi, que je te dis, ah, je vais te baiser. Tu reconnais quand je suis énervé ou quand je suis pas énervé, tu vois. Alors que quand il fait « Eh, je vais baiser toi, c'est bon là, tu me casses les couilles !» Non, non, qu'est-ce que tu fais ?« Eh, Jimmy, nique ta merde, Jimmy, ça, nique ta merde !» Comment il parle là, je te jure, parfois il parle trop mal. Mais tranquille, au moins on les a baisés. Ils ont dû perdre des bons gros straps et nous, tout va bien. Maintenant, Ouais, non, mais 100%, ils ont perdu, il a perdu. Après, on a eu de la chance, hein, parce que je tiens à vous dire que si les 4 otages là, si TK, Jamie, je sais plus qui et je sais plus qui, avaient été tués, ils seraient morts. Zélo, ils seraient morts, je tiens à vous le dire. Ouais, je sais. Ah, ça, tu as eu de la chance parce que t'aurais ça sur la conscience. Ouais, c'est vrai, parce que c'est vraiment moi qui ai. Ils grave pas tiré. Ouais, mais je vais pas vous mentir, je pense que ça les aurait pas dérangé de mourir en vrai. Comme s'ils avaient le choix. Et comme s'ils avaient donné leur avis après, mais en vrai, voilà, ils allaient canner, et c'est la vie, hein, frère. On vit tous pour ça, hein, si un jour sur une fusillade. Parce que là, en fait, le problème avec eux, pourquoi j'ai tiré? Parce que tous les jours. On se pète, ils nous pètent, on les pète. C'est trop chiant. Vas-y, frère, à 21h, ils nous pètent. Nous, il y a personne de chez nous, du coup, ils nous relâchent. Nous, à 2h du matin, on les pète, on les relâche. C'est chiant. D'ailleurs, on va pas se tourner autour de Milan. En fait, je suis d'accord avec toi. Je suis entièrement d'accord. Maintenant, en fait, vu que c'était nous qui a commencé à tirer, c'était pour nous le pire moment de tirer maintenant. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'ils avaient 4 otages à nous, on était 4, ils étaient 8. Et on les a quand même baisés, tu vois. Dans les faits, on les a quand même baisés. Mais pas 4, t'es fou, quoi. On était. Nous, on était 8. Non. Je te jure, en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait. On avait 3 voitures de 4. Donc, on avait. Non, il y a une voiture qui était pas là, en fait. Je te jure, il y avait une voiture qui était là. Comment t'expliques que toi, t'es. Que. Mais si, j'étais là, moi. Si. Comment t'expliques que les autres, ils étaient là? Je te jure, tout le monde était là. C'est juste qu'on avait 4 otages et nous, on était 8. Ah, ouais, donc, okay, il y avait des armes dans les otages. Donc, en gros, il y avait 2 armes dans les otages. Donc, en gros, on avait que 4 straps face à 6 ou 7, quoi. On les a baisés, hein, franchement, on les a baisés. On était 4 straps contre, je pense 6. Et nos deux autres straps, ils étaient dans les otages. Mais je sais pas si. Non, Jamie, il y en a deux. Jamie, il a pas tiré, mais peut-être TK est en otage. Ils ont pas tiré. Ils m'ont expliqué, en gros, les bishops, tu sais, ils ont pas jeté leurs armes. Ils ont dit, on te prend tes armes, du coup, ils ont pas tiré. Ah ouais, ok. Je vois. C'est les SOA là? Non, c'est les Sicarios. Ouais. Ok. Oh, mais yo, il fallait me dire, je parle plus avec Eva. Que toi, bah non, comme ça te reconnais pas. Tranquille ou quoi, les gars? Ouais, ça va. Si, ça va, toi. Bon. Nickel, hein, nickel. Tout va bien. Petite soirée. Désolé, on essaie de vous péter des bishops, mais ça m'a trop démangé. J'étais obligé de tous leur tirer dessus. Non, mais de toute façon, laisse tomber. Ils sont venus s'excuser, ouais, etc. Voilà. Etc. Les petites biatches, hein. Un peu pour le coup, si. Ah, ils se sont excusés carrément. Ils ont utilisé le mot excusez-nous. Mon téléphone, c'est pour le coup. Ah ben voilà. Ah ouais, putain. Parce que moi, il a essayé de me mentir. Nous, on dit un truc dans la rue, hein. Un vrai gangster ne s'excuse pas. Hein. Mmh.
En fait, il a dit ouais, je suis désolé, si j'avais eu toutes les informations, je l'aurais pas fait. Blablabla. Je vois. Bah écoutez, sachez que nous on les a baisés. Voilà, on leur a tiré dessus, on les a baisé leur mère. Merci. Voilà. C'est la vie, c'est comme ça que ça se passe dans la rue. Tiens, je te file l'oseille. Je sais pas à qui je dois le filer, tiens. Attends, je te récupère le sac. Vous avez réussi à déplacer 300 mètres comme ça avec 5 gars. Ouais, t'es comme, je t'avouerais que la voiture, j'avais un peu la flemme, elle est un peu lente, tu vois. Ouais, mais je savais surtout pas que. Ah, mais vous mettez un peu dans vos motos, non? Non, là même pas. Fouille mes poches un petit peu. Si, tu vois pas mon pantalon, il a des grosses poches, sa mère. Ah ouais, je vois ça. Putain. Bah, c'est pour ça que je porte des pantalons là. D'ailleurs, faut... on peut mettre dans ta. Mettez dans ta un peu dans le coffre, ouais, si vous voulez. Vas-y. Normalement, il y a de la place, mais bon, pas. Ah, ça c'est moi. Je posais moi. Il m'a tout pris. C'est moi, j'ai pris. Sérieux, je vais te la prendre à toi. Ah, bah, du coup, non, celui c'est servi. Ouais, du coup, je te donne à toi. Je peux donner un terme à nous aussi. Ouais, donnez, hein, pas de soucis. Moi aussi, là, vous pouvez me filer jusqu'à 50. Et je peux en prendre 50. Tu veux quoi? J'ai tout mis dans la coche le maximum. J'ai mis 20 par revenir. Il y en a encore 10 sur moi. Ah, t'étais plus là, toi, depuis tout à l'heure? Mais non, depuis tout à l'heure, je suis en train de me battre avec moi-même. Ah, ok, je m'en fous. Tu veux me filer un truc? Vous arrivez à la vraie, Je peux prendre 10. Vas-y, moi, ceux qui ont encore, je peux prendre l'argent. Attendez, j'organise ça bien dans le coffre. Ah oui, ça fait mal ça. Voilà, parle, merci. Tiens, vas-y, vraiment le coup si tu peux. Je peux encore en prendre 40. Baisse-lui sa mère si tu veux, y'a pas de soucis. Oh, t'inquiète, je t'en veux pas, t'inquiète. Y'a combien? Y'a 104 dans le coffre. Oups, j'ai fait des bêtises, je sais pas. Bah oui, t'es con. Y'a 104, du coup, moi j'ai 26, ça fait 130. J'ai 50. J'ai 50. J'ai 50 aussi. 230, 270, il manque un peu. Dans la boîte à gants, je pense que tu as. Ouais, peut-être. Dans la boîte à gants. Quelqu'un a mis dans la boîte à gants, ouais, là y'a 20. Ouais, y'a 20. Oh, j'ai dû me tromper d'une dizaine, c'est bon. T'appelles comment? C'est bon, tu me le diras, hein. Vraiment, il te manque. Ouais, tranquille, normalement on est bon. Je pense que c'est dis-moi celui. Ça en est où des 18? T'as été les voir ou pas? Faut que nous on s'en Je suis allé les voir les 18 là pour une toute autre chose, juste pour vérifier si vraiment ils faisaient de la meth. Et il s'avère que ouais, ils la vendent à 230 pour le moment, donc voilà. Si vous voulez poser les conditions, posez-les, hein, mais je vous laisse faire, hein. Moi c'est pas mon business, mais voilà. Hein. D'accord, modo, ça marche. On voit comment on fait. Ok, ça va. T'as le numéro des 18, non? Parce que je t'avouerais que moi. J'ai le numéro de la tête, attends. Il s'appelle Lionel Messi. Tu notes, s'il te plaît, Sandro. 2350. Ouais, il s'appelle Lionel. Je l'appelle Lionel Messi. 2350. Ok. Voilà. Parce que dans le nord, c'est bueno, tout le monde s'est plié pour le coup. Ok, ouais, j'ai cru comprendre. Bah écoutez, tant mieux, hein, on va se faire de l'oseille pendant qu'eux ils vont perdre des clients. Mais par contre, à mon avis, ils vous ont dit oui devant vous, mais. Bah pour le coup. Parce qu'ils ont certainement peur ou je ne sais quoi, mais s'ils vendent pas au bon prix, ils vont voir qui va leur tomber dessus. Si, mais ça c'est pas un problème. Non, ils sont alignés là pour le coup. Ok, bon, bah on verra. Ça roule. J'ai des bishops qui m'ont appelé pour me dire que c'est aligné, tout le monde. Ok, ça roule. Bah écoute, on se tient au courant et on se revoit au plus vite. Si, ça marche. Bonne soirée, les gars, putain. Vas-y. Bonne soirée.